Bonjour à vous et bienvenue au Bénin. En cette période de forte vague de chaleur due au réchauffement climatique, la seule solution qui vaille, c'est l'entretien des forêts. Nous sommes dans la forêt classée de Paou, à une vingtaine de kilomètres de Cotonou. Si les habitants de la grande métropole respirent encore de l'oxygène, c'est grâce à cette forêt. Une forêt végétale bien conservée par les forestiers béninois. Bon général, c'est un poumon. Poumon vert et la purification de l'air que nous respirons, les fonctions écologiques, les fonctions culturelles, cultuelles et les fonctions touristiques. Les effets du réchauffement climatique sont actuellement difficiles à supporter, considérant les fortes vagues de chaleur étouffantes. Cette biodiversité apporte une bouffée d'oxygène à ces touristes. Pour nous, la nature, c'est aussi l'avenir de la population. Ce que j'apprécie fortement ici, c'est que finalement, on protège cette forêt à l'aspect naturel et on ne le fait pas seul. On le fait avec la communauté, avec les villages et tous les habitants des villages. L'écosystème est encore entièrement conservé. Cela permet quand même de lutter un tant soit peu contre le réchauffement climatique. La forêt est d'une importance cardinale dans l'existence humaine, surtout avec les effets néfastes produits par les changements climatiques. C'était Robert Dussault depuis Cotonou-Bénin pour Nouvelle-Aube.